Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 24 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier épisode de la saison 2. Ça y est, on a fait donc en 3 ans 2 saisons pour des raisons qui nous sont propres. Mais ça y est, on va passer à la saison 3 dans le prochain épisode. Donc merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux. Donc ça super. Et ben de toute façon nous vu qu'on aime bien ça, on continuera à le faire jusqu'à temps qu'on en ait marre quoi. Alors aujourd'hui avec voilà, moi c'est un bien dit. Un épisode à l'ancienne avec mon cher Arnaud. Arnaud, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, ça va très très bien, je suis ravi de faire cet épisode à l'ancienne. Alors, si t'es prêt à lancer l'épisode, je te propose de commencer comme d'habitude par notre news. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'Ozempic. As-tu entendu parler de l'Ozempic dans l'actualité? Ça fait les gros titres depuis un moment quand même. Comme ça là tout de suite non, mais je suis sûr que quand tu vas me raconter la news dans le détail, ça va me faire ah mais oui c'est vrai. Alors l'Ozempic, c'est un antidiabétique détourné par nos amis les influenceurs pour maigrir et qui risque la rupture de stock. Alors il y a des milliers de vidéos YouTube qui vantent de vidéos TikTok qui vantent les effets amincissants miracles de l'Ozempic, qui est un médicament pour réguler le diabète. Ça craint tellement. Eh ouais mon gars. Et donc il est promis notamment par des influenceurs qui sont très suivis. En conséquence, l'Ozempic a vu ses ventes exploser et risque de priver les vrais diabétiques finalement de leurs produits de leurs médicaments qui les servent à traiter leur condition. Tout ça à cause des infus voleurs. Et donc l'Ozempic, il cumule des milliers. Le hashtag Ozempic cumule des milliers de vidéos et certaines atteignent jusqu'à 3 millions de vues. Et donc ça va assez loin, c'est-à-dire qu'il y a certains utilisateurs qui spéculent que la perte de poids de célébrités telles que Kim Kardashian et Elon Musk, qui a lui-même assuré avoir essayé d'utiliser le Wegovy. Donc le Wegovy, c'est aussi la même molécule que l'Ozempic, le sémaglutide. Et donc pour nos amis pharmaciens, le sémaglutide, c'est un GLP-1, donc c'est un glucagon-like peptide 1 qui stimule la production d'insuline, ralentit la digestion et diminue l'envie de manger. Donc voilà, donc comme je disais, c'est le Novo Nordisk qui commercialise ça et ils ont vu leur vente exploser, donc plus 63% sur 2022. Au cours du dernier trimestre 2022, donc c'est quand ça a commencé à buzzer. Mais il fait quoi le pharmacien responsable de Novo Nordisk là? Alors c'est exactement. Les ventes explosées, il se pose pas de questions. Ah bah, c'est exactement la question que j'allais te poser. Alors de qui c'est la faute? Est-ce que c'est l'industrie pharmaceutique qui le fabrique, le médecin qui le prescrit ou le pharmacien qui le délivre, sachant que effectivement ils ont vu des ordonnances. Les pharmaciens français ont vu des fausses ordonnances circuler. Les médecins, y a des témoignages franchement de l'espace en disant que parce que il y a quand même une indication, de l'Ozempic pour la perte de poids, mais pour l'obésité très forte avec par exemple un IMC supérieur morbide à 40. Ouais voilà, une grosse obésité quoi. Mais bon, du coup, les médecins commencent à y aller. Enfin, j'ai vu des témoignages comme quoi certains médecins le prescrivaient au Canada notamment. Au Canada, c'est assez à la mode aussi. Je pense que c'est à chacun de balayer devant sa porte. Donc, je sais pas à qui est la faute, mais ça rappelle quand même un petit coup le médiateur. Moi, je vais te donner mon sentiment. Pour moi, la responsabilité, elle est très clairement partagée. Entre, il faut pas les oublier, mais du coup les influenceurs qui font ça, bah oui, les on utilisateurs va en parler qui suivent, les pharmaciens qui délivrent, les médecins qui donnent des ordonnances sur des mauvaises indications, et l'industriel qui dit, oh là là, j'ai un pic de vente, faudrait peut-être que je fasse quelque chose parce que c'est pas normal, parce que ça, un pic de vente sur un produit comme ça, il y a un truc qui va pas. Et après, donc ça, je pense que c'est
comme ça que devrait être la responsabilité. Mais par contre, à la fin, à mon avis, dans les journaux, ça va taper sur l'industriel et seulement l'industriel. Je ne sais pas, je sais pas. On verra. Parce que du coup, il y a pas mal de choses qui se passent. Hein. J'ai pris cette news par hasard parce que ça fait quand même, ça a commencé en Australie, hein, je crois, ce buzz hashtag Ozempic. Donc le Ozempic, c'est un produit qui est sorti, je crois, en 2017. Et donc le Wegovy, lui, il est sorti en 2021. Donc ça coûte pas rien non plus. Hein. C'est $892 par mois pour le Ozempic et 1190 euros pour le Wegovy. Hein. Donc faut bien être influenceur pour pouvoir se mettre ça sous la ceinture. Et donc là, très 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 récemment là, donc c'était la première lecture le 30 mars 2023. Hein, donc il y a une proposition de loi visant à cadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui est passée en première lecture à l'Assemblée nationale et qui sera en discussion au Sénat du coup le 9 au 10 mai 2023. Et alors je me suis tapé le, j'ai été voir un petit peu le texte quand même. Hein, et c'est assez marrant. Enfin, c'est pas du tout marrant. C'est pas du tout marrant, mais il donne une définition quand même des une définition des influenceurs. Donc alors, je te lis vite fait ce qu'ils ont mis. Il s'agit de personnes qui mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer en ligne des contenus faisant la promotion directe ou indirecte de biens, de services ou d'une cause quelconque en contrepartie d'un bénéfice économique ou d'un avantage en nature. Voilà. Un influenceur. Ah oui, mais ça, j'ai vu ça, le gouvernement, et il s'est positionné là-dessus, là. C'est pour ça que je disais les influx voleurs. Il y a eu toute une polémique là-dessus. Ouais, ouais, et bah, oui, du coup, le texte de loi avance. À définir ce que c'était qu'être influenceur, quoi. Et donc, et dans ce texte de loi, il rappelle bien, hein, que les influenceurs doivent respecter le cadre légal sur la promotion des biens et des services et sur la publicité, en particulier la loi N20 en matière d'alcool, de tabac et de vapotage, et les règles concernant les médicaments, les dispositifs médicaux et les compléments alimentaires. Donc, tout ce qu'il nous a dit notre ami Arnaud de Verdelan dans l'épisode, il y a deux épisodes, bah, ça s'applique théoriquement à eux, quoi, d'après ce que je comprends. Ouais. Ouais. Et donc, aussi un truc assez marrant. Mal, hein. Ouais, c'est carrément ce qu'il faut faire, quoi. Enfin, c'est carrément ce qu'il faut faire. Donc, il y a des grosses pénalités. Hein. Il y a 300 000 jusqu'à 300 000 euros. Il y a de la prison. Enfin, bref, ça y va, quoi. Et donc, pour protéger la santé mentale des plus jeunes, les photos, ça a rien à voir, mais bon, c'est assez marrant. Les photos ou les vidéos avec des filtres devront désormais contenir la mention image retouchée. Donc, ça, j'ai trouvé ça assez rigolo. Mais oui. J'ai vu toute une polémique là-dessus, mais des trucs de malade. Oh là là, mais c'est fou. Mais je pensais pas que qu'on parlerait de ça un jour sur JM Podcast. C'est le sujet. Et du coup, pareil, il y a un guide de bonne conduite des influenceurs et des créateurs de contenu qui est sorti à la destination des influenceurs. Ça se trouve, on devrait peut-être le lire. Hein, je pense qu'on devrait le lire parce qu'on rentre un petit peu. Ouais, on pourrait faire un. C'est marqué dans le guide de bonne conduite des influenceurs. Et donc, sinon, pour revenir à un sujet plus industriel, hein, Novo Nordisk, ils ont fait du taf sur leur ligne pour augmenter la production pour répondre à ce pic. Ah oui, d'accord, ok, donc ils ont vu, oulala, il se passe quelque chose de pas normal, il faut qu'on réagisse, on augmente la production. Ils ont quand même une bonne part de responsabilité là-dedans, quoi, aussi. Bah ouais, je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, hein. Après, ouais, franchement, je sais pas ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, moi. Ils sont responsables aussi, hein, de la distribution au bout d'un moment, hein. Ouais, mais ouais. Bah, en fait, ils sont responsables. Mais du coup, dans les bonnes pratiques de distribution, on t'engage à contrôler tes distributeurs. Enfin, du coup, c'est-à-dire à regarder que les clients à qui t'envoies tes produits aient l'autorisation de détenir des produits pharmaceutiques. Mais après ça, tu peux pas savoir. Enfin, voilà, les gars, la responsabilité. Je sais pas là. Ouais, je suis d'accord. Je parle pas du tout sous le. C'est pas ma spécialité, donc je ne sais pas. Mais c'est voilà.
Mais bon, sujet intéressant qui parle. Hein. Du coup, on en entendra parler si le texte est adopté le 9 et 10 mai. Et ça dépassera notre cadre, hein, puisque du coup, tous les sujets seront concernés. Je pense que ça fera on entendra parler dans les médias, quoi. Ouais. Voilà, si t'as pas d'autres questions, je te propose de passer à, par contre, notre spécialité, le sujet principal du podcast. Eh ben, allez, c'est parti, hein. Aujourd'hui, on s'attaque à un fantôme. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs humaines. En effet, pourquoi je compare les erreurs humaines à un fantôme? Parce qu'à notre niveau, quand on va sur site, on assiste souvent à un combat épique entre les producteurs et entre la production et la qualité qui vont avec leurs armes de sensibilisation opérateur et de modification documentaire combattre les fantômes des erreurs humaines. Et ben voilà, c'est comme combattre un fantôme avec une épée, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et du coup ben les erreurs humaines on fait un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais au final je ne suis pas certain que ce qu'on fait ce soit efficace. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, t'as oublié, il y a une autre arme. Il y a une autre vas-y. Arme, c'est le tapis. On met sous le tapis. C'est vrai qu'il y a des sites qui doivent avoir des très très gros tapis. Alors, dans cet épisode, je vous propose de suivre, parce que c'est un sujet sur lequel, avec Arnaud, on a beaucoup réfléchi. Donc, on intervient souvent sur le sujet, etc. Donc, je vous propose de découvrir une partie de ce qu'on sait maintenant. Et par contre, je pense que pour pas déborder, on abordera la culture qualité en tant que tel dans un autre épisode. Bien sûr, il y aura on trempera un orteil ou deux dedans, mais je pense que dans cet épisode on va se concentrer plutôt sur les erreurs humaines et on fera un autre épisode sur la culture qualité. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Donc c'est quoi là le deal de départ? Si on fait un épisode sur quand on a détecté une erreur humaine, qu'est-ce qu'on peut faire, et la prochaine fois c'est comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Ouais, voilà, ouais, exactement. Ok, ça me va. Parce qu'on peut, ouais, voilà, on peut éclaircir, ouais, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, je pense, que ce que tu viens de dire. Cet épisode, il va être plutôt réactif. Comment regarder une erreur humaine, comment l'analyser, comment la qualifier, et quelle action on peut faire dessus. Et dans l'épisode suivant, on se concentrera sur la proaction. Donc la proaction sur les erreurs humaines, au final, c'est même ça concerne les déviations, et ça englobe plus la culture qualité en général, quoi. Ouais. Ok. Alors, pour commencer, ma première question pour toi, Arnaud, c'est une erreur humaine. Qu'est-ce que c'est? Ah là 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 là. Pour moi, une erreur humaine. Alors, il y a un grand débat là-dessus autour de l'erreur humaine, sur lequel, quand je disais, on met sous le tapis. J'ai l'impression de plus en plus, on essaye de déqualifier des choses qui sont des erreurs humaines en disant, ben non, mais la cause c'est ça, donc c'est pas une erreur humaine. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, je vais te donner ma définition de l'erreur humaine, définition que j'ai longuement réfléchi. Et en gros, je dirais qu'une erreur humaine, c'est une action ou une réponse inappropriée d'un être humain qui entraîne ou pourrait entraîner un résultat non conforme par rapport à un attendu. Et en gros, c'est une non-conformité qui apparaît et qui a été généré à un moment ou à un autre par une mauvaise action ou une mauvaise réponse par une personne. Et ça, c'est une erreur humaine. Après, on peut analyser les causes de pourquoi est-ce que cette personne, à un moment ou à un autre, elle a fait une action ou une réponse inappropriée, et donc chercher la cause de ça. Mais si la cause, c'est rarement qu'un seul type de cause, on peut pas dire, du coup, c'est une cause machine, c'est bon, c'est pas humain. Non, à un moment donné, il y a quand même une personne, faut regarder les choses en face, quoi. Il y a une personne qui s'est trompée.
Voilà, point barre. On arrête de discuter. Erreur humaine. Ok, maintenant, on va chercher les causes. Et du coup, je pense que il y a eu une tendance dernièrement sur les erreurs humaines à vouloir, et qui est un peu sous-tendue par les autorités, qui était de dire, il faut qu'il y ait moins d'erreurs humaines. Très bien, vœux pieux, très bonne... moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais la réponse qui a été donnée à ça, c'est, bon, alors on va arrêter de les catégoriser en erreurs humaines, on va les catégoriser en autre erreur. Mais what? Donc voilà. Donc en tout cas, pour moi, une erreur humaine, dès qu'il y a eu une non-conformité, une déviation ou que sais-je, qui a été générée par une action ou une réponse inappropriée d'un être humain, c'est une erreur humaine. Ok, mais de toute façon, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Alors, je pense que oui, je suis d'accord sur l'ensemble. Par contre, déjà, cette classification erreur humaine, elle apporte pas grand-chose, je trouve. C'est-à-dire que du coup, ça a une classification type 5e, quoi. Et du coup, au final, en général, quand on fait ce type de classification, on se retrouve avec un 20-20-20-20, ou peu ou prou, quoi, qui sert à... Enfin, qui c'est quoi, c'est-à-dire... Bah, t'as 20% erreur humaine, 20% machine, 20% environnement, 20%, enfin, tu vois, enfin, 20% milieu. Okay. Et du coup, au final, cette analyse de classification de déviation par cinquième, finalement, ne sert à rien. Mais alors, attends, on peut en parler, ça, juste 5 minutes, et puis on clôture le point sur le cinquième. Le cinquième, c'est pas un bon outil pour catégoriser les déviations. Il faut arrêter de vouloir mettre les déviations dans une catégorie de cinquième. Ça, c'est des conneries. Parce qu'on veut catégoriser pour dire « on va faire des analyses de récurrence ». J'ai jamais vu une analyse de récurrence faite. Et quand elles sont faites sur la base d'un cinquième, c'est rarement très pertinent. Le cinquième, c'est un outil pour t'aider à structurer ta pensée quand t'es en train de chercher quelque chose. Point barre. C'est pas un outil de catégorisation de déviation. C'est n'importe Exactement. Quoi, ça. La meilleure façon de catégoriser des déviations, c'est de les cogner une par une, de recatégoriser derrière et de faire une liste pour faire un Pareto. Voilà. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose, quoi. Ça sent le vécu, tout ça. Ah, je compte plus les fois où j'ai fait ça. Enfin bon. Donc voilà, donc cette catégorisation, donc ça c'est effectivement catégoriser les déviations en termes de cinquième, ça ne sert à rien, mais bon, bref. Après, effectivement, à un moment ou à un autre, comme tu dis, dans une déviation, il y a effectivement un humain qui va faire une réponse inappropriée. Ok. Et à partir de là, en fait, une fois qu'on a déterminé ça, c'est là où on rentre dans l'univers des erreurs humaines. Oui, mais du coup, je dirais, je mettrais quand même bémol. Je vais essayer de un petit bémol, voilà, merci sur ce que je dis. Pour moi, c'est il faut pas aller, c'est pas quand tu vas aller chercher la cause d'une déviation où tu tombes sur un truc parce qu'il y a une personne qui s'est trompée à un moment donné. C'est assez proche de l'événement qui s'est produit. Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, quoi que, je sais pas. En fait, si tu dis ça, c'est une action ou une réponse inappropriée d'un être humain qui entraîne une non-conformité, je pense que 100% des déviations sont à un moment donné, au regard des causes qu'on peut aller creuser loin, générées par une action ou une réponse inappropriée d'un être humain. C'est exactement ce que j'allais te dire. Bam! Donc voilà, la différence c'est que ok, j'ai eu une panne machine. Ouais, bah peut-être parce que il y a un moment donné, il y a un mec qui s'est dit on va faire une maintenance préventive de cette manière-là et c'est pas assez fréquent. Bon bah il y a une réponse inappropriée. Est-ce que c'est une erreur humaine? C'est là où je mets un bémol. Par contre, j'ai un mec qui a tourné la mauvaise vanne et le produit il est parti par terre. Bon, là, il y a une erreur humaine, tu vois. Donc, il y a un truc un peu flou. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant avec les erreurs humaines, c'est que finalement, c'est pas si binaire que ça, quoi. En fait, c'est à partir du moment où t'as un humain qui est intervenu comme il aurait pas dû. Là, ça fait bim, erreur humaine. Oui, c'est ça. Après,
Moi, il y a un adage qui est de dire, quand vous êtes à vous poser la question si c'est une erreur humaine ou pas, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi. C'est probablement une erreur humaine. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair. C'est évident. Je pense que les cas où on va se poser des questions, ça va représenter, en gros, t'as les 5-10% des cas où tu vas te poser la question, est-ce que c'est une erreur humaine? Et le reste, c'est tranché, quoi. Donc, sur ces cas-là, c'est que si vous avez un doute, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de doute à avoir, quoi. Et alors, du coup, la suite logique dans toute cette histoire, c'est OK. C'est une erreur humaine. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, le fait de savoir que c'est une erreur humaine ou pas, finalement, on va taper sur les doigts de l'opérateur. Voilà. Ça avance pas à grand chose, théoriquement. Alors, du coup, il y a effectivement la porte de sortie. Merci, au revoir. Non, il y a la porte de sortie facile de ce type de déviation qui est effectivement, on a fait un rappel opérateur. Et puis voilà. Au final, les erreurs humaines, est-ce que ça pourrait pas être qualifié de à chaque fois qu'on a essayé de faire un rappel opérateur, c'était une erreur humaine? Ah, mais carrément, carrément. Tous les rappels opérateurs, déjà, c'est une erreur humaine à un moment donné. Et donc, il y a des sites où t'as 30% des CAPA qui sont des rappels opérateurs, là, des sensibilisations, là, ces actions à la con qui me sortent par les trous de nez. C'est des erreurs humaines. Et donc, ça veut dire que potentiellement, 30% des déviations sont liées à des erreurs humaines. Pourtant, c'est bon, on a retravaillé la catégorisation, on n'a plus que 5% d'erreurs humaines. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, exactement. Pas à moi. Pas à moi, tu me la fais pas à moi. Et donc oui, alors finalement le fait que savoir une erreur humaine, au final c'est juste le début de l'investigation finalement, et en fait une erreur humaine ça s'investigue finalement, enfin faut pas s'arrêter là, quoi. C'est un début, mais c'est surtout pas là où il faut s'arrêter et dire voilà, erreur humaine. Ça du coup je l'ai entendu rien que la semaine dernière, hein. Ça c'est évident, c'est une erreur humaine, du coup l'enquête on y passe pas 3 heures, quoi. Alors ça, punaise. Waouh. Il y a plein de questions à se poser derrière. Là, on peut tirer la ficelle, très longtemps avant et pouvoir trouver un tas de trucs qui se sont mal passés pour que on en vienne justement à cette erreur là, quoi. Mais avant d'aller plus loin là-dedans, j'aimerais quand même essayer rapidement de se poser la question. Voilà, si je suis sur un quand on est sur un site, comment on fait pour comment on peut faire, donc on en a déjà à moitié répondu à la question, hein, mais comment on fait pour évaluer le taux d'erreur humaine sur notre site et à quoi ça nous servira? Ben franchement, pour évaluer le taux d'erreur humaine, c'est chaud, parce que t'as les erreurs humaines qui donnent lieu à des déviations, qui donnent lieu à des capas de sensibilisation. Après, t'as quand même des sites, Dieu merci, qui ne font plus des capas de sensibilisation. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on est encore dans l'ancien monde où on fait des capas de sensibilisation, eh bien, au moins, tu regardes ton taux de capas de sensibilisation, t'as ton taux de déviation qui sont des erreurs humaines. Mais t'as aussi des erreurs humaines ailleurs. Les erreurs dans le dossier de l'eau qui font qu'il y a ton dossier de l'eau qui fait des allers-retours, qui n'aboutissent pas à des déviations, c'est des erreurs humaines. Donc c'est chaud de franchement, je sais pas comment toi tu ferais, mais c'est chaud d'évaluer le taux de d'erreurs humaines sur le site, quoi. Ouais, je pense un moyen qui est partiellement juste, c'est comme tu disais, hein, c'est aller regarder les déviations une par une et de faire un bâton à chaque fois que par exemple sur les 500 déviations que tu as eu l'année dernière, tu les ouvres toutes, tu as un petit coup, et puis après ça te prend 5 minutes par déviation, 500 fois 5 minutes, 2500 minutes. Ça fait un peu de boulot, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, à quoi ça sert d'avoir ce taux-là? Ou, allez, sans parler de taux, mais au moins une vision un peu globale de... Bah, est-ce qu'on fait beaucoup d'erreurs humaines sur le site ou pas? Moi, je pense que ça permet de d'aborder 3 points fondamentaux. C'est déjà, est-ce que du coup... Enfin, non, 2 points fondamentaux, je vais en mettre 2 en 1. Est-ce que mon système de
formation et documentation, il est cohérent. Il permet aux gens de ne pas faire d'erreur. Donc, est-ce que je forme bien mes gens? Est-ce que je leur mets bien les bons éléments en main pour pas qu'ils fassent d'erreur? Mais, et surtout, c'est surtout le deuxième point, moi, en tant que responsable qualité, ça me permettrait de me donner une idée de c'est quoi la maturité de mon site vis-à-vis de sa culture qualité, quoi. Mmh. Et si j'ai un gros taux d'erreur humaine, c'est que j'ai une mauvaise maturité sur la culture qualité, et il va falloir que je me retrousse les manches et que je mette des priorités, ma priorité sur le fait de monter la maturité des collaborateurs sur la notion de culture qualité, et ça devrait être une priorité pour moi, quoi. Mmh. Et du coup, cela dit, on disait que la classification cinquième, ça servait pas. Je pense que il faut quand même aussi, je pense que ça peut quand même un peu servir à un niveau macroscopique, c'est-à-dire que si tu as beaucoup de casse équipement, de machines qui cassent, quoi, de réacteurs percés, de trucs comme ça. Là, du coup, ça veut quand même dire que tu as un problème d'investissement sur tes équipements. Et par contre, si tu as par contre plus d'OS de paramètres processus qui dérivent de choses comme ça, c'est peut-être que t'as plutôt un problème par contre là de validation et de qualification de, enfin, ouais. Ouais, de maîtrise de ton process, quoi. Ouais, de maîtrise de ton process, quoi. Et donc au final, à un moment donné, il faut peut-être probablement faire une espèce d'analyse comme ça, mais un peu plus fine quand même que les cinquièmes, pour essayer d'orienter ta politique qualité sur les deux, trois prochaines années. Mais c'est pour ça, j'ai cru que tu allais me dire le cinquième, c'est bien. J'ai cru que tu allais me dire que le cinquième, c'est bien pour catégoriser, mais ça se fait par une analyse fine, ce que tu es en train de décrire. Tu pourrais dire cinquième. Bah, donc, les casse-machines, je les mets dans matériel. Mes dérives de process, je les mets dans méthode. Mais sauf que dans méthode, je vais faire aussi, enfin, tu vois, je vais mettre quoi? Je vais mettre aussi, ma doc, elle était pas assez claire, et du coup, il y a le mec qui s'est trompé, donc ça fait une erreur humaine, mais plutôt que de la mettre en main d'œuvre, je la mets dans méthode. Enfin, tu vois. Du coup, non, moi, je préfère l'analyse un peu plus détaillée. Après, on va pas se mentir. Franchement, moi, ça fait quoi? Ça fait 15 ans que j'interviens sur les sites de prod. Les casse-machines à répétition, c'est vraiment pas dans les top 20% des déviations qu'on rencontre. Ouais, c'est vrai. Sur certains sites, les dérives de process, sur des sites qui sont sur des vieux process, souvent peut-être un peu de la phyto, ou pendant longtemps c'était un truc qui était un petit peu obscur, qu'on maîtrisait un peu moins bien, parce que la réglementation était moins poussée peut-être, mais je pense que ça change. Et globalement, je suis désolé, mais tes déviations, c'est majoritairement des erreurs humaines en fait. Ouais, et donc ça veut dire que tes capas, elles ont pas été efficaces, quoi. Bah, c'est un peu dur de dire ça. Là, je suis juste en train de dire que la majorité des déviations sur les sites de prod, c'est parce qu'il y a des erreurs humaines. Mais après, c'est peut-être parce qu'il y a des erreurs humaines, parce que les gens, ils savent pas bien ce qu'ils doivent faire, parce que les gens, ils ont trop de trucs à faire, parce que les gens, ils ont pas un bon comportement et ils prennent pas les bonnes décisions ou ils prennent les décisions qu'ils devraient pas. Tu vois, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Et il faut aller creuser là-dessus. Mais à un moment donné, je pense quand même que la majorité des déviations dans l'industrie pharma, c'est de l'erreur humaine, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. Moi, je pense que t'as raison. Bah, du coup, de toute façon, ce qu'on voit dans les chantiers, dans les interventions coaching d'investigation, franchement, ouais, 80% des investigations, c'est souvent, comme on disait, une intervention, enfin quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire comme ça, quoi. Ouais, exactement. Une des causes. Et d'ailleurs, quand t'as une déviation casse équipement, c'est trop bien, quoi. Enfin, un peu de nouveauté. Ok. Bon, alors maintenant qu'on en est là, est-ce que on pourrait catégoriser les causes des erreurs humaines? Est-ce que du coup, est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que moi j'ai des idées sur les causes? Oui, qui sont globalement assez similaires à ce qu'on peut retrouver sur d'autres, sur les sites. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est jamais.
La plupart du temps, c'est pas binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule cause. Il y en a plusieurs. Mais il y en a une qui est plus prépondérante que les autres. Après, si voilà, bon, on a fait l'exercice de synthèse sur les causes ensemble. Hein. Il y a, pour moi, il y a 5 grandes causes d'erreurs humaines. Après, voilà, certains diront non, il y a aussi ça, non. À mon avis, au final, on arrive à rentrer les trucs dans les 5 grandes causes. Ouais, la première, enfin, les deux premières, qui sont un peu les deux causes les plus faciles, c'est la documentation et la formation. Et quand je dis c'est facile, c'est que globalement, on pense souvent à ça quand il y a une erreur humaine. On va souvent voir la doc, on va souvent voir la formation, et on va souvent dire on va mettre à jour le document ou il faut former les gens. Globalement, c'est un peu le chemin de facilité. Mais on peut pas retirer le fait que c'est des causes qui peuvent expliquer des erreurs humaines. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'on va toujours voir la documentation. Moi, je pense qu'on pense savoir ce qu'il y a dans la documentation et on met ce qu'on pense savoir. Mais on va pas. Moi, je pense que on va pas suffisamment. Ah, toi, tu penses que pendant l'investigation, donc en gros, t'as un mec qui a fait une erreur parce qu'il est pas allé voir le doc, et t'as le mec qui fait l'investigation qui dit, il est pas allé voir le doc parce que dans le doc, je pense qu'il y a ça qui est écrit, et il est pas allé voir le doc non plus. Je suis sûr que ça arrive trop souvent. Ok, je veux bien le croire. Oh putain. C'est vrai que dit comme ça, punaise, c'est marrant. Et du coup, on met une capa, faut modifier la documentation. Et le gars qui modifie la documentation, mais je comprends pas, c'est pas du tout ça qui est marqué. Mais je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Ouais, ça m'arrivait quand même assez souvent d'aller prendre un truc. Bah, c'est justement ça, ce que j'appelais les tunnels documentaires le jour, là, que j'ai pas à faire un post là-dessus. Ouais. Tu sais, bon, bah, allez, on va voir ce qui a marqué. Ah, ça nous renvoie dans un autre truc. Bon, allez, vas-y, fais voir le document. Bon. Ah, ça renvoie dans un autre truc. Bon. Allez, fais voir le document. Et comme ça, tu fais 2-3 documents. Puis à la fin du dernier document, ça te renvoie au premier et l'information, elle est tombée au milieu. Enfin, tu sais pas très bien où elle est. Et bah, t'es pas plus avancé, quoi. Ouais. Et franchement, quand tu te remets dans un contexte opérateur, jamais le gars, franchement, t'arrives à un premier document qui te renvoie un autre, s'il est pas dans le suivant, bah t'abandonnes et tu fais à ton idée, hein. C'est clair. Bon, mais du coup, voilà. Donc, en tout cas, la documentation, la formation, ce sont deux grandes causes d'erreurs humaines. Enfin, deux grandes causes qui peuvent expliquer des erreurs humaines. Ok. Mais par contre, je ne pense pas, et je suis même persuadé, que de faire des projets de simplification de documentation et de retravailler la formation, c'est pas ça qui empêchera les erreurs humaines de se produire. Parce que pour moi, il y en a encore 3 autres de grandes causes qui expliquent les erreurs humaines. Je vais prendre un autre qui est un peu simple, mais pour autant, qui est quand même à noter, c'est le changement. Tu changes une habitude des personnes. En gros, les personnes, ils ont des habitudes un peu ancrées en elles font toujours la même chose. Du jour au lendemain, tu changes une manière de faire, soit par un change control, soit en fait 90% de nos produits, ils sont faits de telle manière, puis 10% ils sont faits d'une autre manière, et en fait t'as pas bien fait en sorte que la personne elle soit bien consciente de ce changement. Bon, bah voilà, ça peut générer des erreurs. Ok. Ensuite, on a 2 autres catégories qui me semblent assez intéressantes. Ouais, vas-y, dis-moi. Ouais, non, je veux dire, on peut peut-être donner un petit exemple. Enfin, au final, la façon qu'en général on accompagne le plus le changement dans les industries dans l'industrie pharmaceutique, c'est modification de documents, prise de connaissance. Ah voilà. Et là, du coup, ça, c'est. Même quand c'est t'as de la formation, hein. Même quand t'as de la formation, ça se limite souvent de la formation théorique. Il y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Et je vais pas rentrer là-dedans parce que faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus. Mais aujourd'hui même, j'expliquais à des clients c'est quoi la notion, à quoi ça sert un dossier de l'eau, pourquoi un dossier de l'eau ça garantit pas que la production elle s'est passée comme elle devrait se passer. Ce qui permet de le garantir, c'est ce que vous mettez en place, les observations de tâches, le suivi sur le terrain, la formation, comment vous enfin. Et en fait, à un moment donné, le changement, ça doit aussi s'accompagner sur le terrain,
et pas que une formation en salle ou une information donnée comme ça, quoi. L'accompagnement, faut qu'on soit sur le terrain avec les gens pour les aider, pour leur expliquer, pour et faut pas, enfin je sais pas comment, ouais, faut être sur le terrain, quoi. Ouais, mais c'est ça, les gens ont plus le temps, quoi. Mais du coup, ils ont plus le temps parce qu'on va regarder un dossier de l'eau pour dire c'est bon, le donné qui est dans le dossier de l'eau, elle est bonne, donc ça veut dire que mon produit, il est bon. Non, don de Dieu, ça veut juste dire que t'as écrit la bonne donnée dans ton dossier qui permet d'avoir l'historique de ton lot. Et puis, si tu vas plus loin, regarde, t'as combien dans ton bon du premier coup? T'es à 0% en sortie de ligne. Et t'as combien de taux? T'as 60% d'erreur d'écriture, donc ça veut dire que 60% des cas où t'as eu une faute, c'est que le mec, il a pas écrit le bon chiffre. Qu'est-ce qui te dit que quand t'as une donnée qui est juste, c'est bien le bon chiffre, quoi? Ah, d'habitude, c'est 5, hop là, 5. Non, mais. Mais voilà. Donc, C'est cette perte de confiance dans le système, enfin, dans les personnes qui réalisent vraiment, qui est répercutée sur le temps que tu passes à contrôler la documentation au lieu d'aller regagner mais la confiance. Mais la confiance, elle se gagne. Ouais, mais la confiance, elle se fait pas en regardant les documents. La confiance, elle se fait en étant sur le terrain, en faisant des observations de tâches, en accompagnant les gens, quoi. Bon, digression. Ok, ouais, digression, voilà. Mais voilà, donc le changement. Son changement. Ensuite, on a, celui-là, je l'aime bien, c'est la charge mentale. La charge mentale. La charge mentale, voilà. La charge mentale, je pense que les opérateurs aujourd'hui, enfin, ou les techniciens, ou même les logisticiens, etc., ils ont une charge mentale qui est pas négligeable au moment où ils sont en train de faire leur production. Et de toute manière, ils ont au moins, si on prend en prod, deux tâches en même temps. C'est produire et renseigner le dossier de l'eau. Font ça en même temps. Et en fait, y a plein d'études qui le montrent et y a plein de... Vous pouvez les regarder sur YouTube, hein, vous cherchez des vidéos sur l'attention, des trucs comme ça. Vous allez voir, on n'est pas capable d'être concentré sur deux tâches en même temps. On est capable de faire deux tâches en même temps, mais on n'est pas capable d'avoir la même attention sur les deux tâches. Il y en a forcément une qui va prendre plus d'attention que l'autre. Donc, exactement. Quand on fait deux tâches en même temps, ça veut dire que celle sur laquelle on a notre attention qui est focalisée, on va potentiellement moins faire d'erreurs, mais l'autre, il va y avoir des erreurs. Un jour ou l'autre, c'est sûr, c'est certain. Et donc voilà, donc la charge mentale, ça peut être j'ai deux, je suis en train de faire deux trucs en même temps. Je pilote de l'eau en compression ou en fabrication en même temps. Je fais mon dossier de l'eau et je suis ma ligne de conditionnement en même temps. Donc tu vois, il y a plein de choses. Ça peut être aussi la charge mentale. Je fais une activité, et ça c'est super connu dans le Mirage, je fais une activité répétitive sur une période longue. D'environ pendant, alors je sais pas quels sont les temps au Mirage, mais au bout d'une heure et demie, quand tu fais toujours la même chose, ton c'est attention, fatalement, elle va diminuer, quoi. Ouais, voilà. Et puis après, pour réduire la charge mentale, t'as l'ergonomie aussi du travail. Je veux dire, si à chaque fois que t'as besoin d'un outil, il faut que t'ailles à l'autre bout de l'atelier, ou alors tu sais même pas où tu vas le trouver, tu sais, des fois, l'outil, forcément, ça t'augmente ta charge mentale. Qu'est-ce qui va augmenter la charge mentale aussi? Après, voilà, t'as les trucs qui diminuent la charge mentale, qui sont les anti-erreurs, les détrompeurs, quoi. Donc, la charge mentale, je pense que c'est un point vraiment important. En fait, du coup, s'intéresser à la charge mentale, je pense que c'est ce qui va aider le plus les gens à trouver des actions pertinentes pour réduire les erreurs humaines. Parce que du coup, il faut faire preuve d'empathie. Et du coup, de se mettre dans les chaussures de l'autre pour un peu voir ce qu'il a vécu au moment de la déviation, au moment de l'action, quoi. Et là, c'est dire merde, putain, c'est difficile. C'est vrai que c'est chaud et c'est ça, en fait, ça coule pas de source, quoi. Et du coup, c'est là où l'action qu'il faut faire, c'est comment est-ce que je pourrais faire pour que ça soit facile et que ça coule de source, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'y penser pour le faire correctement. Et c'est justement ça. Il y a Ou alors, si je peux pas faire pour que ce soit plus simple et que ça coule de source, comment est-ce que j'organise le travail de la personne pour qu'au moment où elle fasse ça, elle ait que ça à penser?
Exactement, ouais. Ah, la charge mentale, je pense que c'est ce qui va aider le plus les gens à trouver des solutions hors rappel opérateur. Parce que au final, quand on se met à penser à la charge mentale, plus jamais on fait de rappel opérateur. Plus jamais. Parce que du coup, finalement, putain, le gars, il a depuis 20 ans, la procédure, elle a pas changé depuis 20 ans, et c'est ce jour-là qu'il s'est planté. Bah, tu sais pas ce qui s'est passé le soir, On va lui faire un rappel opérateur. il s'est peut-être engueulé avec sa femme, son gamin, il a peut-être été malade, et il a pleuré jusqu'à je sais pas quelle heure, ou alors, du coup, je sais pas, moi, des trucs de la vie, quoi. Et ce jour-là, bah oui, t'es fatigué, ça. Et il a raté le truc, et puis voilà. Et par contre, si le système avait été mieux foutu, il l'aurait pas raté. Exactement. Et en fait, c'est un défi qui est super important. C'est comment est-ce que tu fais pour améliorer l'attention des opérateurs? Ça peut être par de la planification, c'est-à-dire, comme je disais, tu fais en sorte que le mec, quand il est sur une activité sur laquelle on ne peut pas optimiser l'ergonomie, eh ben, il est que ça à penser, il est que ça à faire. Ou alors, la planification, bah, c'est comme on disait au Mirage, toutes les 20 minutes, tu tournes ou des trucs comme ça. Ça peut être sur de l'organisation, bah sur cette tâche, on rajoute une personne, j'en sais rien, hein, bref. Ça peut être des outils ou des méthodes de travail qui permettent d'améliorer l'attention. Et en fait, c'est ça le défi, c'est comment est-ce que j'améliore l'attention des personnes. Parce que du coup, même si t'as pas deux activités à faire en même temps, comme t'as dit l'exemple, hein. La veille, le mec, il s'est engueulé avec sa femme jusqu'à 3h du mat. Le lendemain, il prend son poste à 6h, il est crevé. Tu t'es pris une tôle avec tes copines. Forcément qu'il fera moins. Ouais, ou voilà, exactement. Forcément que le lendemain, il va être moins attentif. Et donc, si on n'a pas mis en place des outils pour sur les actions critiques, être plus attentif, bah ça arrivera, une erreur humaine, c'est normal. Et c'est marrant parce que il y a 3 ou 4 ans, j'étais sur un site où j'avais passé une journée à diagnostiquer un peu les pratiques sur les erreurs humaines. On n'avait pas fait de projet finalement, mais t'avais les mecs, ils avaient lancé un formulaire où en gros l'opérateur il disait oui j'étais fatigué, oui machin. Putain, mais à un moment donné, faut se concentrer sur quoi on peut agir. La société pharmaceutique, l'entreprise, elle peut pas imposer à ses opérateurs de se coucher à telle heure, de ne pas s'engueuler avec leur femme, de pas avoir d'enfant qui est malade, etc. Non, par contre, ce qu'elle peut faire, c'est mettre en place des moyens au quotidien pour faire en sorte de favoriser l'attention des gens sur ce qu'ils font en fonction du niveau de risque de la tâche qu'ils doivent faire, quoi. Exactement. Donc voilà, la charge mentale. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur avec Arnaud. Ouais, c'est intéressant, quoi. Ah ouais, c'est... Et le dernier, alors, la dernière cause, celui-là, tu l'aimes bien. Pour. Moi aussi, je l'aime bien. C'est le comportement individuel. Celui-là, il fait un peu mal, dit comme ça. Mais je pense qu'il faut quand même le regarder. Combien de fois, moi le premier, hein, ça vous est arrivé de prendre la mauvaise décision en ayant au fond de vous cette petite voix qui vous dit je suis pas sûr que j'ai le droit de la prendre, mais vas-y, je la prends. Combien de fois il y a des opérateurs qui vont prendre un raccourci pour faire un truc parce que bah aujourd'hui, je sais pas, il y a un peu de pression sur le planning, ou flemme, aujourd'hui j'ai un peu la flemme, je fais le truc un peu par-dessus la jambe ou quoi, enfin. Et c'est un peu dur de dire ça, mais c'est la réalité, quoi. J'ai jamais trouvé sous ce tapis, j'ai la flemme de le démonter, hop là. Voilà, exactement. Puis de toute façon, il y a jamais rien eu là, voilà, c'est bon, quoi. Voilà, exactement. Donc ça arrive, et c'est pas forcément parce que les gens ils sont de mauvaise volonté, et il faut aussi mettre un peu d'empathie là-dedans. On parle de personnes qui ont un job qui est quand même assez fatigant, hein, quand tu fais, je sais pas, sur des sites où t'es d'équipe du matin, d'après-midi, voire même les 5-8 ou des trucs comme ça. C'est pas non plus le job qui te passionne. Tu fais là, voilà, c'est pour gagner ta vie. Et puis après, tu penses à quand tu vas rentrer chez toi. Donc c'est normal, au bout d'un moment, faut aussi accepter ça. Hein. C'est pas des robots, quoi. C'est pas des robots. Mais par contre, ça veut dire
si les gens y pensent comme ça, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et là, c'est un problème qui est lié à la culture qualité sur le site, qui est lié au fait que j'ai pas peur, par exemple, de dire à un collègue, attends, là, tu fais une connerie, quoi. Là, j'ai une théorie. Même à un manager, tu vois. J'ai une théorie là-dessus qui en gros, tu pourrais dessiner une courbe entre le niveau de culture qualité de la personne et la pression que tu lui mets. Le plus consciencieux dans son travail du monde, au bout d'un moment, si tu le presses comme un citron suffisamment fort, carrément, il va forcément finir par péter ses barrières. Ouais. Et ça, du coup, tu le vois très souvent chez toi quand tu fais du bricolage ou des machins comme ça. Tu sais comment faut faire. Et putain, t'as passé toute ta journée à faire un truc. Tu dis, allez, c'est bon. Allez, l'outil, il est à l'autre bout du garage. Allez, c'est bon. T'attaques ton machin, je sais pas moi. T'attaques ton truc avec le mauvais outil. Tu pètes ton morceau de bois ou tu défonces ta finition. Alors qu'au final, t'aurais été chercher ta défonceuse, t'aurais appliqué le beau, t'aurais pris le beau forêt, t'aurais fait le truc nickel. Mais bon, à cause de tout ça, bah voilà, t'as niqué ton dernier truc. Ou tu vois, voilà, c'est ça. Au lieu de dévier, enfin tu sais, voilà, ce que j'appelle le régleur de problème, c'est le marteau, tu vois. C'est putain, j'ai trop la flemme. Vas-y, on donne un coup de marteau. Et voilà, hop là, t'as plié ta goupille. Ça y est, c'est fini. Alors que finalement, tu sais très bien que ça va venir jamais, que faut pas taper dessus, quoi. Et c'est exactement ça. Hein. C'est poussé à bout par l'effort. Ouais. Finalement, tu coupes toujours un coin. Donc, voilà. Donc ça, c'est le. C'est ça. Et ça, y a pas de solution miracle, de kappa à mettre là-dessus. Ça, c'est un travail de fond sur la culture qualité. Parce que ça veut dire qu'en gros, si vous avez beaucoup d'erreurs humaines qui sont liées à des problèmes de comportement individuel, et il y a des sites où c'est le cas, hein, on va pas se mentir, hein. À partir du moment où vous voyez des morpions sur les toilettes des chiottes, c'est qu'à mon avis, vous avez un problème de comportement individuel. Quand tu dis des morpions, c'est pas des morpions, pas des animaux, quoi. Les morpions avec les ronds et les croix. Les morpions avec les ronds et les croix, quoi. Les gars qui jouent aux morpions dans les chiottes, quoi. Bref. Pardon. Non, du coup, ça veut dire que... c'est pas un problème d'hygiène, c'est un problème de comportement individuel. Mais oui, voilà, non, il y a... Et du coup, là-dessus, c'est un problème de fond, c'est... du coup, c'est travailler sur du long terme, sur la culture qualité, et depuis même le codir. Parce que si on a un codir qui a pas une culture qualité, ça marche pas. Et en règle générale, si on observe des trucs comme ça, c'est que le codir a pas cette culture qualité. Il a cette culture de faut produire. Mais ouais, et c'est l'exemplarité et là, aussi, général, hein, c'est pareil. Nous on le voit, hein, franchement, on va pas se mentir, mais moi je le vois vraiment parce que en même temps, en parallèle, on peut avoir 3, 4, voire 5 clients, donc 5 sites pharmaceutiques différents où on va intervenir, et donc sur 6 mois, bah ça augmente. On les voit, hein. Il y a des sites où tu vois tout de suite dans le codir, t'as un directeur qualité qui est un peu effacé, et puis tu vois la pression de il faut produire. Il y en a. Et puis à côté de ça, t'en as d'autres où c'est la qualité, c'est le roi, tout le monde dit amen à ce qu'il dit. Il y en a aussi. Donc on voit vraiment les différences là-dessus. Et même souvent, et quand t'as la qualité, et là, c'est le roi, tout le monde dit amen. C'est pas forcément bon non plus. Ouais, c'est pas forcément bon non plus, hein. Parce que là, on perd l'efficacité et du coup, on rajoute des couches. Donc, on rajoute de la charge mentale. On a peut-être un peu moins de comportement, mais on a un peu plus de charge mentale. On revient sur les problèmes de surqualité et de sous-qualité, quoi. Exactement. Donc, voilà un peu les. Donc, en résumé, les 5 grandes causes, la documentation, la formation, le changement, la charge mentale, le comportement individuel. Exactement. Et donc, par rapport à ces différentes causes, est-ce que le contexte de l'erreur humaine est toujours le même?
Est-ce que du coup, il y a pas aussi alors, le... Paul Adrien, comme c'est étrange que tu me poses cette question. Bon, écoute, t'as. Non, mais. Non, mais c'est clair. Oui, le contexte, il joue énormément. Il joue énormément sur quelle cause va ressortir. Parce que tu peux avoir un gars qui a un peu de charge, qui était en train de faire deux activités et qui en plus n'est pas allé voir sa doc, par exemple, ou qui n'a pas la bonne info dans la doc. Si tu regardes pas un peu le contexte de l'erreur, ça va être difficile de dire c'est quoi le truc qui pèse le plus, quoi. Et en fait, pour moi, il y a trois éléments qui vont gérer, qui vont être intéressants de regarder dans le contexte. C'est la complexité de la tâche. Ouais. J'allais dire dans ton exemple, c'est surtout. Dans ton exemple, c'est surtout si on dit voilà, le gars il a pas regardé sa doc. Si justement, comme t'allais le dire, si le gars il est là depuis 20, comme on disait tout à l'heure, si le gars il est là depuis 20 ans, franchement là, avec la doc elle a pas changé depuis 20 ans, oui, effectivement. Mais si le gars il est tout nouveau, arrivé d'hier, et qu'il a pas regardé sa doc et du coup qu'il vient d'être formé, là on est dans effectivement un problème différent, quoi. Ouais, ok. Et si t'as le gars qui est là depuis 20 ans et que c'est un truc un peu plus compliqué à faire et qui fait ce truc là tous les 6 mois, je suis désolé, c'est pas parce qu'en gros il a un peu moins l'expérience sur la tâche, en fait. Le fait que ce soit une fréquence faible fait que tous les 6 mois, mince, comment je fais, je me rappelle plus. On a tous un truc comme ça dans notre quotidien, dans notre vie perso, où il y a un truc, je sais pas, faut faire la maintenance de telle machine là. Moi c'est ma machine à café, j'ai une machine qui moule grain, tu sais, j'ai la maintenance que je dois faire tous les jours, c'est vider le marc de café, mettre de l'eau, ça c'est bon, hein, je sais faire, j'ai plus besoin de la notice, mais alors pas du tout. Et puis tous les 3 mois, tac, t'as le truc, faut faire le détartrage. Mais j'en ai aucune idée, comment, c'est quoi la marche à suivre. Et dans 3 mois, je sais que quand je l'aurais fait, dans 3 mois, j'aurais absolument oublié comment je dois le faire. Donc, il y a complexité. Est-ce que c'est facile ou pas? Si détartrer, c'était appuyer sur un bouton, même si c'est tous les 3 mois, pas besoin de regarder la doc. Hein. La fréquence, du coup, et l'expérience, quoi. Est-ce que je viens d'avoir ma machine ou pas, quoi. Et du coup, ça a une vraie influence sur les causes. Donc, ouais, c'est pas parce que effectivement le gars il a pas regardé sa documentation que ça va être une erreur de documentation directe. Enfin, ça va être une erreur humaine liée à la documentation. Exactement. Exactement. Je peux avoir une doc pourrie, un niveau de formation pourri, mais le gars il a fait une erreur sur une tâche simple qu'il fait tous les jours. Je suis désolé, ça va choquer les gens. Mais en fait, il faut juste imaginer que ce gars-là, il va plus voir vos procédures depuis un moment. Donc même si votre doc elle est pourrie, c'est pas ça qui va. Comment ? Je suis pas sûr que ça choque les gens. Non, mais ouais, bon, ça va choquer les gens qui croient encore que la qualité, c'est je fais ce qui est écrit. Ouais, mais en tout cas, je le fais, mais de mémoire. Hein. Bref, donc voilà. Mais en même temps, on est sur une tâche simple que le mec il fait tous les jours. Bien évidemment qu'il va pas regarder son document à chaque fois qu'il le fait. Donc, même si on a la doc la plus pourrie du monde et qu'il n'a pas regardé le doc, dans ce contexte-là, d'une tâche simple qui est faite tous les jours par quelqu'un qui est là depuis longtemps, c'est même pas la peine d'aller regarder la partie documentation, en fait. Et donc, la corollaire de ce qu'on est en train de dire, c'est ça, la corollaire de ce qu'on est en train de dire de ce qu'on est en train de dire là, qui est très importante, c'est justement quelle action mettre en face de quelle erreur humaine. Et justement, c'est là où c'est très très important de regarder et les causes et le contexte de l'erreur, parce que ça va nous permettre de mettre en place une CAPA qui va être la efficace. Bonne action. Et je peux vous assurer que quand vous allez commencer à réfléchir comme ça, en fait, modifier les documents suite à une erreur humaine, ça va diminuer ces CAPA-là. Ça va diminuer. Et faire des actions concrètes dans l'environnement des opérateurs, ça va augmenter. Ouais, par contre, ça va demander
un peu plus d'efforts pour définir des bonnes actions. C'est sûr. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Vous débarrasser, dire c'est bon, j'ai fait une action, ou faire en sorte que l'erreur, elle revienne plus, en fait. Mais ouvrir la même déviation, ou trouver des trucs, enfin, ou alors s'occuper de nouveaux trucs, quoi. Mais c'est ça. Et passer un peu de temps pour définir l'action qui va vraiment éliminer le truc, quoi. Parce que au final, si tu l'élimines pas, bah en fait, c'est un mauvais calcul un peu court-termiste, c'est de dire ok, hop, allez, c'est bon, j'ai fini ma déviation, je pars en congestoire, tranquille, tu reviens 2 semaines après de tes congés, boum, la nouvelle déviation, et finalement, tu repasses du temps à retraiter les mêmes déviations, du temps, et là, t'es là, ah, mais on n'a pas le temps d'aller sur le terrain, on a trop de déviations, ah, mais... Alors qu'en fait, t'investis un peu de temps sur une fois sur ta déviation pour définir la bonne action en face de la bonne cause en fonction du contexte de la tâche. Et voilà. Mais surtout, et comme d'habitude quand on parle des capas, définir l'action avec celui qui va la réaliser. Bon, si c'est toi qui la réalises, ça va. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui va aller la réaliser, il faut à minima lui présenter, s'il n'a pas participé à l'investigation, il faut lui présenter l'ensemble de l'investigation et dire ok, voilà ce qu'on a trouvé, qu'est-ce que tu proposes. Et là et définir et aussi impliquer les gens. Voilà, si tu veux modifier une manière de faire, mettre en place une nouvelle méthode, faut aussi impliquer les gens qui vont vivre avec cette nouvelle méthode. Parce qu'ils peuvent avoir mais par contre avec des pincettes. Parce que tu peux complètement te gourer, ils vont te dire non mais ce que tu es en train de nous dire qu'on va faire demain, c'est mort, on peut pas le faire. Il faut être capable de prendre un peu de recul par rapport à ce c'est mort, on peut pas le faire. Parce qu'il y a des cas où ça sera légitimement c'est mort, on peut pas le faire, et puis il y a des cas où ça sera juste de la résistance au changement, quoi. C'est trop vrai. Bon alors, vite fait, je vais faire un petit exemple concret quand même, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une investigation où, sur un autoclave, avant de lancer un cycle d'autoclave, on était censé vérifier qu'une vanne était fermée. Et du coup, c'était marqué dans le dossier de l'eau, vérifier que la vanne est fermée, tout ça, machin. Et du coup, la déviation arrive, le cycle non conforme... et puis du coup au final ils avaient regardé un peu et puis l'opérateur a oublié de fermer la vanne. Et là forcément tout le monde fait bon là on n'investigue pas, c'est bon, ça sert à rien, c'est une erreur humaine, on va lui faire un rappel et puis terminer. Attendez, t'allais voir quand même, donc on va voir un petit peu sur le terrain et puis bon alors elle est où la vanne? Déjà on a dû demander à 4-5 personnes pour qu'on trouve la vanne, donc elle était planquée en bas sur l'autoclave. C'est une petite vanne bouton, tu sais, où tu dois faire une quinzaine de tours, enfin pas une quinzaine de tours, mais 3-4 tours pour la fermer. Et du coup, de loin, impossible de savoir. En gros, t'es obligé d'y aller et de la toucher, quoi, pour voir si elle est fermée déjà. Et ensuite, en lui demandant, c'est qui la touche cette vanne? Quand est-ce qu'on l'ouvre? Et puis du coup, personne n'est foutu de nous dire quand est-ce qu'on est censé ouvrir cette vanne. On va voir la maintenance. Bon, cette vanne, elle doit toujours être fermée. Personne ne l'ouvre jamais. Et finalement, en allant investiguer dans le cahier de vie de l'autoclave, on se rend compte que le jour d'avant, il y avait eu une intervention maintenance. Donc, on va voir le gars qui a fait l'intervention maintenance, qui nous explique que, en fait, cette vanne, elle sert pour aller plus vite, pour que l'autoclave, il descende plus vite en pression, pour qu'on puisse ouvrir la porte et aller regarder dedans. Eh ben, on peut l'ouvrir, ça augmente l'échappement de la pression. Et du coup, il peut faire le truc, sauf que lui, il a fait ça, et il a oublié de faire refermer la vanne. Et finalement, l'opérateur qui lui pensait que cette vanne était toujours fermée, il va plus la fermer parce que déjà elle est loin et puis c'est trop chiant et puis elle est toujours fermée de façon. Il a pas fermé. Alors qu'est-ce qu'on a fait derrière ça? Parce que cette vanne en fait c'est un organe de sécurité. Et donc qu'est-ce qu'on a fait derrière ça? On a changé la vanne par une vanne quart de tour avec marqué avec deux couleurs, fermée où c'est vert et puis ouvert en rouge. Et puis du coup maintenant l'opérateur quand il fait son dossier de l'eau, il a juste à lever la tête et regarder si la vanne est fermée ou ouverte, quoi. Il a plus besoin d'aller se déplacer et bouger. Et ça du coup c'est une action qui est assez intéressante. Après on aurait pu aussi faire une action au niveau de la maintenance, on aurait pu faire il y avait plein d'autres leviers qu'on aurait pu faire, on a choisi celui-là. Mais du coup c'est une autre et finalement l'opérateur lui il est assez content parce que finalement on a pris en compte le fait que c'était compliqué, c'était un peu chiant et il a fait une erreur en
en mettant que effectivement dans le dossier de l'eau, il avait regardé que la vanne était bien fermée alors qu'il l'avait pas fait. Mais bon, bah du coup, voilà, on a pas forcément. Donc il a bien compris que c'était une connerie de pas avoir fait ça, mais en même temps, du coup, on a fait une vraie action pour simplifier sa vie, quoi. Mmh. Mmh. Et pour éviter que l'erreur revienne. On a tendance à prendre un peu trop le chemin le plus court, la décision qui va nous faire perdre le moins de temps à l'instant T. Et c'est exactement le cas de ton exemple, quoi. Déjà, c'est encore pire, c'est « Ah, oh, c'est une erreur humaine, on fait rien !» Et après, bah oui, ça demande un peu d'effort pour trouver la bonne action. Et en plus, comme tu l'as bien dit, il n'y a pas qu'une seule bonne action, il peut y en avoir plusieurs. Mais voilà, faut juste prendre le temps de se poser, quoi. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça se reproduise plus ou on veut juste clôturer le truc pour passer à autre chose? Mmh. Ouais, exactement. Alors j'avais une petite dernière question pour finir l'épisode sur une note légère. qu'est-ce que tu penses de l'avenir, le turfu de la prévention des erreurs humaines? Et est-ce que, du coup, tu vois un peu des tendances technologiques émergentes autour de tout ça? Des robots, tu veux dire? Il y en a plein, hein. Ouais, non. Moi, je pense qu'il y a... Il y a plusieurs trucs comme ça qui me viennent en tête. Ça va être un peu chaud de dire c'est quoi le turfu ou quoi, mais je vais te donner des idées que j'ai moi. Et dans un monde techno-optimiste, on va dire. Déjà, et ça existe déjà, et on les salue, nos amis de Salamander You, c'est le dossier de l'eau piloté par la voix. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que, en fait, à un moment donné, quand tu fais des contrôles qui vont être tracés dans ton dossier de l'eau, t'as tendance à les faire un peu trop par juste en te basant sur ton visuel, alors que quand tu fais du visuel, de l'auditif et du kinesthésique, hein, c'est notre fameuse méthode de contrôle VAK, t'améliores l'attention des personnes sur le contrôle. Et quand t'en arrives au point où c'est ton dossier de l'eau qui te fait faire un contrôle VAK, mais c'est un truc de fou. C'est trop bien. Ouais. Et en plus, en même temps que tu le fais, que tu enregistres ton contrôle VAK, t'as pas besoin d'écrire, ça enregistre avec la voix. Donc ça, déjà, je trouve que c'est une avancée qui est géniale. Et franchement, ouais, pour moi, c'est la solution de dossier de l'eau électronique du futur, quoi. Parce que non seulement ça améliore la traçabilité, ça améliore la gestion des dossiers de l'eau, mais en plus, ça participe à réduire les erreurs humaines. Ensuite, dans un monde un peu techno-optimiste, encore une fois, est-ce qu'on pourrait pas imaginer des lunettes de réalité mixte? Tu sais, en gros, tu vois... Ouais, moi, j'adore ça. Et qui te permettent de... je sais pas, quand tu fais un vide de ligne, hop, ça détecte les continus, puis en même temps, ça te le met en rouge et tu le vois. Mais ça ouais, c'est là où tu regardes, tu sais, t'as ton nouvel OF qui se programme dans ton lunette et tu parcours ta ligne des yeux et ça te met... Tout, grave. Attention, il reste une notice dans le chargeur. Attention, en dessous de ça. Enfin, tout ce qu'il peut voir, quoi. Et du coup, il dit d'aller voir des endroits. Après, quand on dit ça... pour l'opérateur, c'est génial. Mais alors, pour la mise en place de ça, je vous préviens, il va falloir un peu standardiser vos pratiques et arrêter de faire des exceptions dans tous les sens. Hein. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Mais voilà. Et du coup, ouais, non, la réalité mixte, tu vois, même, tu as ton nouveau lot qui arrive, boum, quand tu regardes ton étiquette sur ton étui, par exemple, hop, tu vois tout de suite les bonnes. Ah, c'est bon, c'est les bonnes mentions variables. Ouais, ouais, c'est les un peu IPC. Une caméra, mais. C'est une caméra comme on pourrait avoir des contrôles par caméra sur ligne, mais secondée aussi quand même avec un œil opérateur, quoi. Mmh. Donc moi je trouve ça cool. Après est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider à réduire les risques d'erreurs humaines? Ça serait intéressant de là je vais encore plus loin, ça c'est Black Mirror. Tu mets des caméras
dans ton usine et en fait l'intelligence artificielle elle détecte les signaux faibles avec les situations avec... à risque qualité. Ouais ouais grave. Avec des petits tasers dans des petits tasers dans les dans le dos des personnes. Vous avez mais non mais tu sais les trucs, j'ai une anecdote marrante d'erreur humaine qui a rien à voir avec l'industrie pharmaceutique. J'en parlais ce week-end avec un ami qui a fait cette erreur, qui était à l'hôpital et en fait il gérait l'armoire de la pharmacie de l'hôpital et lui il était dans le service urologie et quand il ouvrait le programme il y avait tous les autres services qui apparaissaient et en fait t'avais, lui il était à la fin donc il était obligé à chaque fois de tout descendre, ça lui faisait perdre du temps quoi. Un jour, il s'est dit, bah, vas-y, je vais supprimer tous les autres services. De toute façon, j'ai pas les droits pour supprimer vraiment les armoires pharmacie des autres services. Eh ben, si! Et du coup, forcément, quand les gens, ils se sont rendus compte qu'il y avait toutes les armoires qui avaient été supprimées, sauf urologie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le mec qui gérait l'armoire de l'urologie. Et donc, non, mais tu vois, et du coup, dans le circuit du machin, c'est d'avoir des un peu moins des manières de déverrouiller un peu plus aussi tous ces logiciels parce que je prends cet exemple là parce que j'ai aussi un client là qui a eu une erreur où le mec il a sélectionné la mauvaise recette parce que en fait il devait aller sélectionner une recette dans un menu déroulant où il y en a 50 et où il y en a au final que vraiment 10 qui servent quoi. Ouais, bah j'ai exactement la même erreur avec un spectrophotomètre. Il a pris celle qui est au-dessus de celle qu'il devait prendre. Donc c'était un truc qui s'adapte vraiment aux vrais besoins quoi. Ouais. Voilà, donc bref, ouais, voilà ma vision du turfu de l'erreur humaine. Et après, de toute façon, quand on voit, franchement, l'intelligence artificielle, je pense que ça va écraser tout. Ça va être, encore une fois, dans un contexte techno-optimiste, ça va être absolument merveilleux dans tous les contextes, quoi. C'est-à-dire, ça va pouvoir, quand tu y penses, théoriquement, ça va gérer, ça remplacera ton ERP, ton QMS, ça dira aux personnes Mais de grave, faire quoi. Le rappel ça de dira, l'eau. On a tel lot à faire, telle matière, vas-y, identifie tous les lots. Mais t'imagines? Ça existe déjà, hein, avec un cube, enfin, un truc bien fait, moi, j'avais déjà bossé dans une boîte où c'était très bien fait, ça, où tu lançais ta requête et ça tirait directement tout ce qui était, attaché. Ah ouais, moi, j'ai jamais vu ça, hein. Franchement, c'est la galère, hein, souvent. T'es obligé d'aller chercher dans un peu tous les systèmes, machin. On a mis Greg. C'est vrai que ça s'est amélioré, mais Greg, il était vraiment fort à ça. Le plus rapide de tous. Mais ouais, du coup, tu sais, c'est là où en fait les humains, ils auront plus qu'à donner des inputs de la vraie vie. Au final, ça sera un peu l'handicap de l'usine. Ça finira par être un peu les humains, quoi. Toutes les tâches qui sont toujours faites par des humains, ça sera, lui, c'est popoté au boulot. Tu rentres ça dans la machine. Et là, la machine qui fait, OK, on change tout le programme et c'est ça que vous faites aujourd'hui parce que du coup, blablabla, blablabla. Enfin, même pas blablabla. Ah, mais juste trop bien. Tu fais le planning. Mais t'as l'intelligence artificielle qui te fait le planning en disant, OK, donc là, il y a telle personne qui est pas là, on réorganise le planning de telle manière en sachant que l'intelligence elle sait exactement quelles sont les matières qui sont quels sont les besoins les matières etc. les trucs etc. Mais ouais. Trop bien. Tac. Et là ça te cloue ton disque. Et d'ailleurs ça me paraît fou qu'il n'y ait pas un seul éditeur de RP qui déjà essayait de faire ça quoi, enfin qui est pas sur le sujet. C'est obligé qu'il y ait quelqu'un qui me paraît pas si fou. Tu sais, ils sont dans leur zone de confort, hein. Ouais. Moi, je pense que ça viendra par une petite boîte start-up, ça. Hein. je vois pas SAP se dire, tiens, on va faire ça, quoi. Ah, moi, et si j'étais SAP, je redirigerais. Ça se trouve, c'est dans leur carton. Hein. Ouais. Mon esprit à moi, quoi. Moi, SAP, je redirigerais une part massive de toute ma thune pour investir dans un truc là-dedans, quoi. Mais ce qui serait trop marrant, tu vois, c'est que c'est un peu une boîte noire, tu vois. Ça te dit de faire des trucs, tu sais pas trop ce qu'il y a au milieu. Ça commande, en plus, t'es ça. Ça commande. Ça serait chaud, hein. Bah, ça commande tous les produits. Bah, non, parce qu'au final, ça commande tous les produits, puis ça dit, bon, bah, faites cette validation, et puis, du coup, donnez-moi toutes les données, et puis, hop, ça, ça,
t'arrives à tout agréger. Et... Enfin, franchement, moi, ça m'excite trop cette affaire. Ah, mais comment tu valides le système informatisé, quoi? Bah, c'est facile. Si tu lui demandes, tu lui dis, voilà, une validation, c'est ça. Enfin, même, c'est même pas ça. C'est OK. Quels sont les risques liés à mon activité? Et hop là, elle te sort tes trucs. Et du coup, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle te sort les trucs. Et voilà, qu'est-ce que toi tu vas faire? Elle te sort les trucs. Et voilà. Non, mais du coup, tu te bases sur les données sorties par un logiciel que tu n'as pas validé. Mais non, mais ils s'auto-valident. Prendre ton intelligence artificielle 21 CFR par téléphone. Mais et franchement, c'est là où, à un moment ou à un autre, là, du coup, je dis pas que, enfin, tous les gens vont prendre pour un fou, mais c'est là où, au bout d'un moment, ça sera, la machine sera supérieure aux exigences humaines, c'est-à-dire, elle pensera à plus de choses que toi, tes exigences pour valider ton équipement ou ton process. Et du coup, hop, elle dira, bah voilà, faites ces tests-là. Hop, je vous écris rentrez-moi juste les résultats, je vous écris le rapport. Donc voilà votre rapport, quoi. Et du coup, c'est trop bien. OK, qu'est-ce que, trop bien. Et la FDA qui vient t'auditer ton truc, c'est bah, du coup, on aimerait savoir si ou l'intégrité des données, hop, rapport directement fait. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Enfin, et pour à mon avis. C'est une question de déviation aussi, tu sais. Ouais, mais enfin c'est tu ça. Des images vidéo de ce qui se passe sur l'usine en tout le temps. Tu fournis les données de description du problème. Tu fournis et puis après elle mouline par rapport. Bon après, ça veut dire que tu fournis beaucoup de données, quoi. Je suis peut-être. Tu fournis. Ouais. Côté qui sont filmés et tout, c'est chaud, hein. Mais... Ouais. Et puis c'est pareil, cette IA, bon. Elle est gérée par qui est propriétaire des données. Quoi. Il y a plein de trucs assez intéressants à faire, mais bon. Enfin bon. Est-ce que c'était une plus légère? Ouais, Je ne sais pas. On a un peu divergé là. Hein. On est parti en vrille complet. Ouais, mais peut-être que les gens aiment ça. D'ailleurs, si vous aimez ça, dites-le nous. C'était on partira en vrille plus souvent. On partira en vrille tout le temps. Oh là là. Bon, eh bien écoute, cette saison 2 se termine bien, je trouve. Ouais, carrément. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur LinkedIn, on est vachement efficace avec Arnaud. On partage de plus en plus, donc ce podcast passera forcément dans notre flux. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nos trucs, à nous commenter nos posts si vous n'êtes pas d'accord, surtout si vous n'êtes pas d'accord, on adore discuter de ça. Franchement, on se ferait pas chier à 22h30, 23h même. À discuter d'erreurs humaines chez nous si on aime pas faire clair. Ça. C'est donc, clair, bon, putain. Si vous êtes comme nous et que vous aimez parler de ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux ou même dans le podcast. D'ailleurs, il y a des gens qui m'écrivent. Je salue d'ailleurs l'ami Nantais que j'ai rencontré sur un site qui est venu me voir. Ah, c'est vous les gens du podcast et tout, c'est trop bien. Et j'étais trop content. Merci beaucoup, ça a fait ma journée. Ouais. Non, mais faut pas négliger l'impact que ça a, tous ces trucs qu'on fait, parce que bah, du coup, comme je te disais, hein, le site sur lequel j'interviens, ils ont mis en place des outils sur le vide de ligne qui sont issus des vidéos que tu as fait sur la chaîne YouTube. Allez, wouhou. Donc, voilà. Ah, je suis trop content. Bon allez, en tout cas, bon merci coup. À vous tous. Nous existons grâce à vous et à nous au final. Bonne journée. Vos trajets de voiture, vos trajets de métro et à bientôt pour un prochain épisode. Allez, à bientôt. Merci. Ciao.